Oh tiens, voilà quelqu'un, petit ours brun. Coucou, c'est toi mon copain, petit ours brun. Tu fais toujours ton coquin, mon petit ours malin. Tape, tape dans tes mains, petit, petit ours brun. Le goût des fraises. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'arrive. Hé, hey, petit ours brun, t'as pas vu mon ballon? Oh non, c'est pas du jeu. Maintenant, elle connaît ma cachette. Les enfants, il y a une surprise dans le potager. Ce matin, j'ai repéré des fraises. Je sais, je les arrose avec maman. Mais elles sont passées où? Bah, elles sont où, mes fraises? Alors ça... Mais dites-moi, les cousins, ce ne serait pas vous, par hasard, qui les auriez mangées? Nous? Mais on n'y a même pas goûté. Oh, les petits coquins, ils ont tout mangé en douce. Oh non, ça c'est pas juste. J'y ai même pas goûté et ils m'accusent en plus. C'est peut-être un escargot ou une souris qui les a mangés. Bon, tu viens jouer à la fin? Non, je veux savoir qui a mangé mes fraises. Je sais qui c'est, viens. Bah alors c'est toi qui m'avais piqué mon ballon? Je l'ai trouvé dans le potager. Alors c'est toi qui as mangé mes fraises. Tes fraises? Quelles fraises? N'importe quoi. Si j'avais mangé des fraises, j'aurais la langue toute rouge. C'est pas lui. Ça m'énerve. Oh, et puis c'est toi qui m'énerve avec tes fraises à la fin. Mais pourquoi elle s'en va? Ça, c'est vraiment trop bête. Si j'ai crié trop fort, franchement, je le regrette. Moi, je veux jouer à cache-cache. Eh bien, moi, je veux savoir qui a mangé mes fraises. Qui est allé dans le potager? Et qui aime les fraises? Mais tout le monde aime les fraises. C'est Nounou. Oh non. Regarde, Nounou a fait de la confiture avec les fraises. Tiens, qu'est-ce que vous faites là, mes mignons? T'as volé mes fraises pour faire ta confiture? Voler tes fraises? Déjà, ce n'est pas très gentil de dire ça. Et puis, j'ai préparé de la confiture d'abricot-tomate, pas de fraises. Oh zut, alors je crois que j'ai dit une bêtise. Nounou est très gentil et moi je lui ai fait une crise. Pardon, Nounou. C'est oublié, mon grand. Allez, entrez. Je vais vous faire goûter ma confiture sur un bout de pain. Abricot-tomate? C'est bon, ça? Aucune idée, mais il faut bien goûter pour le savoir, non? Alors, tu as aimé? Ouais. Bon, on sait toujours pas qui a mangé mes fraises. Oh non, j'en ai marre, moi, de ces fraises. Allez, chat. Merci pour l'échelle. Je la remets dans ta cabane. Et puis surtout, merci d'avoir gardé mon petit monstre. Alors tu joues pas à chat avec moi? J'ai trouvé! C'est ton papa qui a mangé mes fraises. C'est le plus gourmand de la famille. N'importe quoi. Bah si, et en plus il passe toujours par le potager. Et dis donc, t'as pas mangé mes fraises, toi? Pardon? Oui, t'as mangé mes fraises. Je le sais, parce que t'es gourmand. Je n'ai pas mangé tes fraises, je te le promets. Parole d'ours.
Tiens-moi la langue alors, s'il te plaît. C'était pas lui. Bébé ourson. Toi, t'as mangé mes fraises. Allez, fais comme moi. Ah ben non. C'est quelqu'un de gourmand qui est allé dans le potager, mais qui ne voulait pas partager les fraises. Ah non, c'est pas vrai. C'est pas parce que je voulais pas les partager. Hein? C'est toi? Non mais c'est incroyable, c'est elle qui a fait ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça, je n'en reviens pas. Tu te rappelles quand on jouait? Je suis venue là pour me cacher. Et puis, j'ai vu les fraises. J'en ai mangé une et puis une autre. Puis une autre encore. Et tu m'as rien dit. Je suis désolée. Oh, regarde, il en reste une. Merci. Quel régal ces fraises. Je suis contente d'y goûter. Si je les avais trouvées, je les aurais toutes mangées. Oh, oh tiens, voilà quelqu'un. Toi mon copain, petit ours brun, tu fais toujours ton coquin, mon petit ours malin. Tape, tape dans tes mains, petit, petit ours postal. Oh oh, des nouvelles du grand voyageur. L'Égypte, c'est magique. Bis à tous, signé Ours Gris. Papa, fais-moi voir. C'est le copain de papa qui nous envoie une nouvelle carte. Et si on envoyait une carte postale, nous aussi? Nous deux? Bah oui, mais à qui? À mamie. Oh oui, elle va être contente. Ça, c'est une drôlement bonne idée. Mais on n'a pas de carte. Attends, regarde, il reste plein de place sur celle-là. Et dis-lui aussi que j'ai fait un puzzle. Chut, j'écris mon nom. Oh, il y a déjà plus de place. Qu'est-ce que vous faites? On écrit une carte à mamie. Mais c'est une carte de ours gris. Oui, tu sais, il voyage dans plein de pays. Vous savez, si vous utilisez sa carte, mamie va croire que c'est lui qui a écrit. Bah oui, c'est vrai ça. Bah alors, on n'a qu'à en faire une de carte. Attention! C'est toi, t'écris trop gros. Regarde, j'ai pas la place de dessiner mes oreilles. Mais non, c'est toi qui débordes avec ton dessin. Même pas beau en plus. Qu'est-ce qu'il a, mon dessin? Il y a un truc qui cloche? Elle dit ça, mais moi je le trouve pas moche. J'en fais une toute seule. Eh ben moi, je vais faire deux cartes. Ouais.
Vous attendez quoi? Le facteur, pour qu'il apporte nos cartes à mamie. Ça marche pas comme ça, il faut aller à la poste. En plus, vous avez même pas mis d'adresse, ni de timbre. Bon, allez, suivez-moi. Je vais vous aider. Hourra! Et aussi, tu peux dire à mamie que j'ai gagné le concours de masque à l'école. Et que mon bobo au genou, il est guéri. Hé, doucement, doucement. Et j'écris des bisous à la fin. Oh oui! Et voilà, terminé. Bon, désolée, mais je dois aller au foot. Pour les timbres, tu vas en trouver dans le tiroir, là. Et pour l'adresse de mamie, vous demandez à maman, d'accord? Merci, ours noir, t'es super. Waouh, on dirait des gommettes. Postale pour mamie ours brun. Oh, c'est adorable ça. Vous allez faire une heureuse. Oh là là, mais vous avez collé tout le carnet de timbres. Bah oui, c'est encore plus beau comme ça. Ah oui, là c'est sûr, ça fait beau. Mais il ne faut pas les gâcher. Allez, donnez-moi un stylo que j'écrive l'adresse. S'il te plaît, tu m'aides. Et... Ah. Bien. Il va passer quand, le facteur? Oh, ce soir, je pense, quand la boîte sera bien pleine. Et mamie, quand est-ce qu'elle va nous répondre? Ah, il faut être un petit peu patient. Mamie va d'abord recevoir la carte. Après, le temps qu'elle vous réponde, je dirais au moins 4 jours en tout. C'est long. Rien. Toujours rien. Ah, peut-être demain. La carte de mamie. Toi, je t'ai attendu longtemps, longtemps, longtemps. Mais tu es là maintenant, alors je suis trop content. Mes chers petits oursons, merci 1000 fois pour votre gentille carte. Baiser tendre, votre mamie qui vous aime. Dis, on lui répond? Et aussi, je vais écrire une carte à ma maîtresse, à Nounou, à Tonton Ours Brun, à Papa. Tout ça? Eh ben dis donc, il va falloir que j'achète une montagne de timbres, moi. Tiens, voilà quelqu'un, petit ours brun. Coucou, c'est toi mon copain, petit ours brun. Tu fais toujours ton coquin, mon petit ours malin. Tape, tape dans tes mains, petit, petit ours brun. Mission pain. Merci, fiston. Tu es un as de l'arrosage. Coucou. Est-ce que mon jardinier chéri pourrait aller acheter du pain pour le dîner? Oui, oui. Dès que j'ai terminé. Je peux y aller, moi, papa, chercher le pain. Oh, c'est gentil, ça, mon bonhomme. Mais tu es trop petit. Tu sais, moi aussi, je suis le jardinier chéri de maman. Et en plus, je connais très bien le chemin.
Et moi, je connais très bien la boulangère. Allez, s'il te plaît, papa. On est peut-être un peu petit, mais... si on est deux, ça va. En fait, tu sais quoi? C'est une bonne idée. Allez, venez. Ouais! Alors, est-ce que j'ai de la monnaie, moi? Génial! On va à la boulangerie! On va à la boulangerie! Bon, on va à la boulangerie! Vous m'écoutez? On va à la boulangerie! On va à la boulangerie! Vous demanderez une baguette bien cuite. Génial! Oui, non, mais attendez! Il y a une condition. Ours Noir vous accompagne. Oh non! Il voudra jamais! Même si avec la monnaie vous achetez des bonbons? Ah si, là il va venir! Une baguette bien cuite. Dis, je peux porter la pièce? Bon. D'accord, mais c'est moi qui demande la baguette bien cuite à la boulangère. D'accord. Merci. Une baguette bien cuite. Allez, ours noir, dépêche-toi. Il le fait exprès. Bien, nous on fait la course. Rendez-vous à la boulangerie. Je crois que c'est par là. Non, je pense que c'est par ici. Tu crois qu'on est perdu? Regarde, Monsieur Ted a une baguette. Donc, il sort de la boulangerie. C'est par là. Alors, vous êtes perdu? Ben non, on t'attendait. Oh. Mais va-t'en, laisse-moi, je te dis. Pas de panique, c'est le chien de Madame Ours Blanche. Il veut juste jouer. Fripouille, fripouille. Allez, viens là, ma fripouille. Ah, oh mon petit. J'avais même pas peur. Oui, oui, on a vu. Bon, allez, hop, c'est par ici. Hé hey. Salut, ours noir. Oh, ours miel. J'ai appris des nouvelles figures. Viens, je vais te montrer. Ouais. Et notre baguette bien cuite, alors? La boulangerie. Youpi, on a trouvé. la bonne odeur de pain. Rien que de la respirer, ça me donne super faim. Bonjour, madame, s'il vous plaît, mon papa, il veut une baguette bien cuite, s'il vous plaît, madame. Mais c'est pas toi qui demande. Toi, tu donnes la pièce. Oh, je l'ai plus. J'ai plus la pièce. Oh non, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être que tu l'as fait tomber tout à l'heure. Je la vois pas. Allons, faut pas avoir peur. Il n'y a pas plus gentil que ce chien-là. Oh, ma fripouille. Oh, la pièce, elle est là. Laisse-nous, fripouille. On a une chose très importante à faire. Va jouer ailleurs. Oh non, fripouille, viens ici. Hourra, t'es trop fort, petit ours brun. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez pas le pain? Ben non, on t'attendait pour choisir les bonbons. Bon, allez, on y va.
Une baguette bien cuite, s'il vous plaît, madame. Tiens, voilà, mon grand. On a acheté le pain. Oui, on a réussi. Moi, j'en étais certain qu'on n'était pas trop petits. Et on va prendre des bonbons aussi, s'il vous plaît. Tu les choisis. Ah, vous êtes là. Ouf. Je m'inquiétais, vous en avez mis du temps. Tout va bien? Bah oui. Pourquoi? Zéro problème. Bravo, les enfants. Vous avez brillamment accompli votre mission. Je suis fier de vous. C'est moi qui porte le pain. Et moi, je m'occupe des bonbons. Oh, oh, tiens, voilà quelqu'un, petit ours brun. Coucou, c'est toi mon copain, petit ours brun. Tu fais toujours ton copain, mon petit ours malin. Tape, tape dans tes mains, petit, petit ours brun. Pousse. Allez, on y va. Oh, allez, t'es belle, celle-là. Oh, bon. Allez, on recommence encore une fois. Hé, hey, tu fais quoi, là? Ben, on vient jouer avec vous. Oh non, on fait un match, là. Allez, s'il te plaît, ours noir, sois sympa. Non, pas maintenant. On joue pas avec les bébés, nous. Mais on n'est pas des bébés. Ah oui? Tu suces pas ton pouce, peut-être. Il est vraiment trop méchant de dire ça. Pauvre grand ours rousse. Tu sais, c'est pas grave de sucer son pouce. Si, c'est grave, j'arrive pas à m'arrêter. Et puis ça me fait du bien, surtout quand je suis triste. Moi, tu sais, quand je suis triste, eh bien, je serre fort mon doudou. Bah oui, mais c'est pas comme sucer son pouce. Eh bien, moi, je vais t'aider à arrêter. Pas possible, avec papa et maman, on a tout essayé. Mais si, c'est possible. Faut que je trouve une bonne idée. Et comme ça, Ours Noir pourra plus se moquer. Ça y est, je sais! Qu'est-ce que tu fabriques, mon petit brin d'ours? C'est à cause du pouce de grand ours rousse. Et voilà. Comme ça, impossible de sucer ton pouce. Bon, on joue à chat? Hein? Quoi? Ok, c'est moi le chat alors. Tu veux sucer ton pouce? J'ai dit pouce! Et puis c'est pas bien ce truc, je vois rien. Oh, il m'embête ce pouce. Tu vois, j'arrive pas à m'en débarrasser. Tu veux arrêter d'embêter ma cousine, toi? Méchant pouce! Pff, il est pas méchant, il a juste trop bon goût. Ah oui? Bah, je vois pas, ça a le goût de rien du tout. Ça a le goût de pouce en tout mouillé, c'est tout. Ouais, ça va, mais le mien, il est pas super bon.
Normal, c'est moi le plus bon. Hé, hey, il parle. Attends, je sais ce qu'on va faire. Dis-moi, tu vas déménager toute la maison? Non, c'est juste mes gommettes pour le pouce de grand ours rousse. Le pouce de ta cousine? Alors, Madame Pouce, quelqu'un veut te manger? Heureusement, Super Pouce est là. Merci, Super Pouce. Tu vas me protéger. Attention, Madame Pouce. On veut vous manger. J'arrive. Ah, Super Pouce, à moi, je tombe. J'arrive. Tenez bon, Madame Pouce. Super Pouce, vous êtes mon sauveur. Oh non. Bon adieu, Super Pouce. Maintenant, tu redeviens normal Pouce. Tu cherches quelque chose, mon petit ours? Et si tu me disais ce qu'il a, le pouce de ta cousine? Eh bien, moi aussi, je suçais mon pouce quand j'étais petite. Ça alors, toi aussi, tu suçais ton pouce, comme grand ours rousse? Eh oui, mon petit. Et c'est ce super truc de papy qui m'a aidée à arrêter. Regarde. Qu'est-ce que c'est? Un pull magique. Allez, vas-y, essaye de sucer ton pouce maintenant. Hé, pourquoi t'es habillée comme ça? Bah, parce que... Parce que? Bon, ça vous dit une petite partie de baby-foot avec moi? Ours miel est parti, alors. Ouais. Tu fais pour jouer aussi bien d'une seule main? C'est grâce à mon pouce spécial. Génial! Tu me le prêteras de temps en temps? Je sais pas. J'en ai encore un peu besoin. Vous attendez quoi? Vas-y. À moi, à moi. Oh, oh, tiens, voilà quelqu'un. Toi, mon copain, petit ours brun, tu fais toujours ton coquin, mon petit ours malin. Tape, tape dans tes mains, petit, petit ours brun. Oh non, c'est pas vrai. La petite théière de maman. Oh, je l'aimais tellement. Pardon, nounou. C'est pas grave, mon grand. Cette théière avait qu'à être moins fragile aussi. Allez, hop, c'est bientôt l'heure du goûter. Je prépare des brioches. Ouais, des brioches. Pauvre nounou. Je crois bien qu'elle l'aimait, sa théière. C'est trop bête. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je sais! Je vais faire un cadeau à Nounou pour lui faire plaisir. Ah oui, bonne idée! Moi aussi. Je vais faire un dessin. Et toi? T'as trouvé ton cadeau? Non. Bon, c'est quoi ce bruit?
Ça fait pas ça un caillou qui tombe dans l'herbe? Regarde ce que j'ai trouvé! Fais voir! On dirait le truc sous les pieds des chevaux. Ah bon? Mais oui, j'en ai vu plein à mon club de poney. Mais je me souviens plus du nom. Waouh! Tagada, tagada, tagada! Tagada, tagada, tagada! Ça veut dire qu'un cheval est venu ici et qu'il a perdu une chaussure. Ouh, je suis là! Vous rentrez juste après le goûter, promis? Promis! 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 Oui, oui, promis, maman! Dis, c'est bien comme cadeau une chaussure de cheval? Une chaussure de cheval? Ah! Tu veux dire un fer à cheval? Oui, oui, c'est super! On dit que ça porte chance! Ça alors? Je le crois pas! Ça peut donner de la chance un petit truc comme ça? Si ça donne de la chance, Nounou doit l'avoir tout le temps avec elle! On n'a qu'à lui faire un collier! Oh oui, il nous faut une ficelle! Viens, il y en a dans la cabane de mon papa! Nounou! On va chercher la ficelle et on revient. Oh non! Bah, qu'est-ce que vous faites là tous les deux? On cherche une ficelle. Ah bon? Je pensais qu'ici c'était pas un endroit pour les enfants. Oui, mais là, c'est très très important. Bon, maintenant que vous êtes là, voyons où j'ai mis la ficelle. La ficelle. Je l'ai! Ah oui. Bon, c'est tout ce qu'il vous fallait? Alors Zou, dehors! Regarde, avec la ficelle, on va faire un collier pour Nounou. Pourquoi vous voulez lui offrir ce bidule? C'est pas un bidule, c'est un fer à cheval. Eh ben mon bonhomme, ça, j'en doute. Ou alors ton cheval est vraiment rikiki. Ça a plutôt l'air d'un bout d'appareil dentaire. C'est quoi un appareil dentaire? Viens, tu vas voir. Tu montres tes dents d'argent à petit ours brun? Oh, mes dents d'argent? Ton appareil dentaire. Allez, s'il te plaît, montre-lui. Pourquoi faire? Pour voir si ça ressemble à ça. Tu vois, rien à voir avec un appareil, ton machin, là. C'est juste un bout de truc de rien du tout. Allez, hop. Panier! Hé hey. Mais de quoi on a l'air avec ce machin, nous? C'est juste un bout de fer, un truc de rien du tout. Ah, vous voilà. Je vous cherchais partout. Bon alors, mes petits cœurs, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, mais qu'est-ce que c'est que... Je peux regarder? Ça alors, incroyable! Je n'en reviens pas. Mais où as-tu trouvé ça? Là-bas, dans l'herbe. C'est génial que vous l'ayez retrouvé. Non, mieux, c'est phénoménal. Mais pourquoi tu mets du fer sous tes chaussures? Parce qu'elles sont spéciales. Ce sont des chaussures pour faire des claquettes. Des claquettes? Vous allez voir. Mais pourquoi tu... Chut! Oh, waouh! Il est super, hein? Mon cadeau qui donne de la chance. Quelqu'un, petit ours brun.
toi mon copain, petit ours brun. Tu fais toujours ton coquin, mon petit ours malin. Tape, tape dans tes mains, petit, petit ours brun. Une maracasse pour deux. Tu m'as rapporté quoi, maman? Doucement, mon ourson. Ah, j'ai trouvé. Il est trop beau. Ça te plaît? C'est un taureau tirelire pour ranger tes pièces. Ah oui, là. Oh, la chance. Ah ah, voilà celui pour ta cousine. Tiens, grand ours rousse. Pour une maracasse. T'as vu ça, petit ours brun? Elle a de la chance d'avoir une maracasse. Elle peut faire de la musique avec. Alors que moi, j'ai juste une tirelire à la place. Et vide en plus. 1, 2, 3, cha-cha-cha. 1, 2, 3, cha-cha-cha. 1, 2, 3, cha-cha-cha. 1, 2, 3, cha-cha-cha. 1, 2, 3. Moi aussi, je vais le faire. Oh non, c'est à moi. 1, 2, 3, cha-cha-cha. 1, 2, 3, cha-cha-cha. 1, 2, 3, cha-cha-cha. 1, 2, 3, cha-cha-cha. 1, 2, 3. Non, c'est pas vrai. Des pièces en or. Mais t'es riche alors. T'es trop marrant. Quoi? Tu veux aller avec Grand Ours Rousse? Et qu'elle me presse sa maracasse? Je suis pas bête, hein. Je sais bien qu'une tirelire, ça parle pas. Tu veux pas me la prêter? Un tout petit peu. Oh, bon, d'accord, je te la prête. Mais après, tu me la rends, hein? Ouais! Grand ours rousse, c'est l'heure de rentrer chez toi, ton papa t'appelle. Bon, tu me la rends? Rends-la-moi! Wow! Tu m'as fait mal en plus. Je fais quoi avec ma maracasse maintenant? C'est moi qui l'ai, d'accord? Mais je suis tout seul. C'est pas très marrant. Tu en as un joli taureau. Tu l'aimes, toi, nounou? Alors, je te le donne. Ah bon? Oh, mais c'est une tirelire. Oui, mais moi, je préfère la maracasse de Grand Ours Rousse parce qu'elle fait de la musique. Oh là là, viens avec moi. Dans ma maison, il y en a plein, des maracas. Ah bon? Où ça? J'en ai jamais vu chez toi, moi. Bah, c'est parce que t'as pas bien regardé. Un pot avec des grains de café, un autre avec des clous de girofle et un autre avec des macaronis. Bah, c'est pas du tout des maracas. Alors, et ça, ce ne sont pas des maracas? Je peux moi aussi? Mais bien sûr. T'as vu? Moi aussi j'ai ma maracas. Tiens, fais comme moi. Eh ben dis donc, ça swing ici.
sous-entend du jardin. T'as vu? Moi aussi j'ai une maracas. Bah non, c'est une tirelire. Mais si, écoute. Et t'as pas entendu la musique dehors? Je vous ai vu par la fenêtre. T'as mis quoi dedans pour que ça fasse de la musique? Des pièces? J'ai mis plein de boutons de nounou. Si tu veux, je te les change contre ma maracas. Je préfère garder mon cadeau. Qu'est-ce que je fais? Je lui prête ou pas? Bon, allez, je lui prête. Ça va lui faire plaisir, je crois. Bon, si tu veux, tu peux l'essayer. Quelqu'un, petit ours brun. Coucou, c'est toi mon copain. Petit ours brun, tu fais toujours ton coquin. Mon petit ours malin, tape, tape dans tes mains. Petit, petit ours brun. Le cousin de Monsieur Lutin. Et voilà le lit de Monsieur Lutin. J'aime trop quand tes parents partent au week-end. Comme ça, tu dors là. Ouais, moi aussi. Mais il est où, Monsieur Lutin? C'est quoi ce truc? Mais c'est pas ton sac. Ta maman s'est trompée. Mais comment je vais faire sans mon doudou? Faut appeler papa et maman. Monsieur Lutin n'est pas là. Ouh là là, tout doux, Minou. Montre-moi ça. Ah, effectivement, ce n'est pas ton sac. Je les appelle. Désolée, petit ours brun, mais je n'arrive pas à les joindre. On va attendre un peu et réessayer plus tard, d'accord? Ouf, on a eu chaud, les cocos. Bon, ce soir, c'est soirée frites royale. Ça va pas? Je pense à Monsieur Lutin. Ne t'inquiète pas, ils vont vite me répondre. Ah non, j'ai pas eu de frites, moi. Oula, petit ours brun, t'as oublié qu'ici il faut s'imposer. Sinon, tu ne vas rien manger. Allez hop, tu vas te rattraper sur la deuxième fournée. Ces frites-là, elles sont vraiment trop bonnes. Elles croquent, elles sont bien chaudes. Je pourrais en manger des tonnes. Ah ah, plus qu'un et je gagne. Ouais, j'ai gagné. Monsieur Lutin est dans la chambre de Petit Ours Brun. Vous avez une clé de chez nous normalement. Ah. T'es sûr qu'on a la clé? Bon, moi j'y vais. Monsieur Lutin m'attend. Ouvre-toi. C'est vraiment fermé. Regarde là, la fenêtre ouverte. Mais c'est trop haut. Ah, je sais. Psst. Minette, Minette,
Tu peux aller chercher Monsieur Lutin? Il est dans ma chambre. Alors, on n'a pas retrouvé la clé, mais... Pas besoin de clé quand on est pompier. Ouais. Ouais. Oh oh. Oh, oh non. Je n'ai trouvé que Monsieur Lapin, je crois. C'est normal? Ne t'inquiète pas, petit ours brun. Tes parents vont bien prendre soin de Monsieur Lutin. Et tu l'auras pour le dodo de demain, d'accord? Ou alors c'est un chien. Oh bah c'est dommage ça. J'ai pas ma brosse à dents. Tant pis. Oh, juste ce qu'il te faut. Allez, tiens, serre-toi. Tout ça? Eh oui, chez les Noirs et Roux, on est paré à tout. Si tu veux, pour cette nuit, je te prête mon doudou. Merci, mais t'en as besoin toi aussi. Et si je te passais Dino pour remplacer ton doudou? C'est ma peluche, tu la veux? Ils sont gentils, ils veulent tous m'aider quand même. Mais moi, c'est mon doudou que je veux. C'est ça le problème. J'ai trouvé! T'as mon doudou? Je parlais du pyjama. J'en ai trouvé un à ta taille. Tiens! Ouais! Un pyjama super ours! C'est génial! T'as retrouvé ton doudou? Alors, ce pyjama, il te va? Et demain, quand ton papa et ta maman seront là, tu retrouveras Monsieur Lutin. Faut que je dorme sans lui, juste pour cette nuit. Mais ça me fait trop bizarre. J'ai besoin de le serrer contre moi, de sentir son odeur, sa petite chaleur. Tu vas pouvoir dormir sans ton doudou? Je sais pas, je m'endors toujours avec mon doudou alors. Et doudou. Oh, doudou. Adieu. Adieu. Il me manque, Monsieur Lutin. J'aime bien son odeur de caramel mou. Il sent comme ma maison. Et puis, il est tout doux. Mais peut-être que... ça sent comme la maison. Bonjour, grand ours rousse. Mais c'est vous, Monsieur Lutin? Ben non, moi je suis le cousin de Monsieur Lutin. Je l'aime bien, ce doudou-là, même si c'est pas le mien. Mon doudou préféré, évidemment, c'est Monsieur Lutin. Mais j'ai la chance d'avoir celui-là. Ça me fait du bien. Tiens, mon chéri. C'est ta maman et ton papa qui veulent te souhaiter une bonne nuit. Allô? Oui, super. Dis, maman, comme vous n'avez pas vos affaires, vous pouvez dormir avec Monsieur Lutin si vous voulez. Je vous le prête. Tiens, voilà quelqu'un, petit ours brun. Coucou, c'est toi mon copain, petit ours brun. Tu fais toujours ton coquin, mon petit ours malin. Tape, tape dans tes mains, petit, petit ours brun. La petite souris va passer. Petit ours brun, petit ours brun, tu viens jouer? J'arrive. Hop, 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 viens par là, toi. On ne quitte pas la table comme ça. Salut, grand ours rousse. Tu laisses ton cousin terminer son petit-déj et il te rejoint. J'arrive. Alors, à quoi on joue? 1, 2, 3, soleil. Ça bouge. C'est pas vrai, j'ai pas bougé. Je sais.
C'est ma dent qui bouge. Fais voir. Bon, on continue de jouer. C'est ton tour. Elle est tombée d'un coup. Regarde. Oh, eh bien, c'est la petite souris qui va être contente. La petite souris? Quelle petite souris? Ah, tu ne la connais pas? C'est une petite souris qui passe pendant la nuit récolter les dents tombées. En échange, elle laisse un petit cadeau sous l'oreiller. Cette nuit, une petite souris va passer. Oh, j'aimerais tellement la rencontrer. Peut-être même qu'on peut lui parler. Mais elle fait quoi, la petite souris, avec les dents? Eh bien, qu'est-ce que tu en penses, toi? Peut-être qu'elle les met dans la terre pour faire pousser des arbres à dents. Bah oui, pour ceux qui ont besoin de nouvelles dents. Il y a de l'idée. Hello, la compagnie. J'apporte les affaires du petit monsieur qui veut voir la souris. Papa! Et félicitations, ma grande. Viens, on va se mettre en pyjama. Tu crois que la petite souris, elle connaît le chemin pour venir jusqu'ici? T'inquiète, la petite souris est venue souvent pour moi. Enfin, elle connaît bien le chemin de ma chambre. Mais celle-là, je sais pas. Allez, bonne nuit les moustiques. Oh mais oui, c'est vrai. Elle peut se perdre. Ou alors se tromper de lit. Pauvre petite souris toute seule dans la nuit. Voilà. Allez, c'est ma tournée de bisous. Un gros pour toi. Et un aussi gros pour toi. Et surtout, faites de beaux rêves. Tu sais, j'ai une idée pour lui montrer le chemin. De quoi? Bah, à la petite souris. Alors, qu'est-ce qu'elle peut bien aimer, la petite souris? Le fromage! Quelques-uns. Toujours deux. C'est trop bon. Mais si, t'en as mangé plein. Ah non, ceux-là, c'est pas moi. Oh là là, Minette, elle va manger la petite souris. Laisse ça et viens ici. Minette, faut que tu retournes à la maison, d'accord? Que vous faites debout tous les deux? Et c'est quoi ces petits bouts de fromage en bas? Ben, c'est pour montrer le chemin à la petite souris. Mais elle le connaît le chemin, la petite souris. Il ne faut pas vous inquiéter. Ah bon? Tu es sûre? Mais là, elle va avoir peur de Minette. Oula, en voilà une histoire. Ne vous inquiétez pas, Minette, je m'en occupe. Et regardez, la petite souris peut aussi passer par là. Souris. 7, 8, 9 et son cadeau. 9. Youhou, je l'ai trouvé! Youhou! Oh, ouais, la petite souris est passée, je l'ai ratée.
Bonjour, bonjour. Bien dormi? Oh là là, tu bavoues, toi. Regarde, maman, j'ai eu une pièce. Et moi, ça. Tu peux lire? Bien sûr. Merci, petit ours brun, pour ce délicieux fromage. Je vois que tu connais bien mes goûts. À très bientôt lorsque tu perdras ta première dent. Bisous, signé la petite souris. Oh, ça alors, la petite souris, elle m'a écrit à moi. Mais oui, c'est ça. Regardez ce qui s'est passé cette nuit. Bébé ourson a une nouvelle dent. Oh. Waouh. C'était la petite souris qui l'a apportée.